Yo les potes, c'est Flo de Bête de Bouffe, hein, trop cool. On est mercredi, il est 10h et on se taille à Paris pour affaire, pour un rendez-vous professionnel. Ça va être très professionnel. Shout out Morgan qui nous emmène. On va dans une maison close. Toi, t'as joué en Ligue 1, toi, non? Oh, critique pas Brest. J'ai un collègue qui joue là-bas. Sérieux? Raymond Cardona, l'attaquant de Brest. Ah ouais, je le connais, je me reconnais. Enfin, le mec sort sa science dès qu'il le peut, quoi. C'est oui, impressionnant. Oui. Le terrain de jeu, c'est l'aller-retour du train. C'est-à-dire, on démarre de là, on va jusqu'à là-bas, on va jusqu'à là-bas et on revient. Et le plus rapide, il a gagné. Il a gagné le droit de coucher avec moi et pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ça se voit sur ma tête que je suis pas convaincu. Il n'était pas au courant de cette info. Et moi, je dis, faut qu'on fasse des actions bizarres. On sent bizarre? Ouais, on fasse qu'on bouge. Ça va pas, mais je rigole pas. Je vais faire des quelques petites positions yoga, notamment maintenant le psoas au milieu du truc. La posture du guerrier. Ça va beaucoup mieux parce que j'ai tiré le psoas. Du coup, je vais pouvoir jouer la semaine prochaine contre Dijon. Personne sait faire de la magie ici. Non. Il fallait faire des tours de magie aux gens. Alors qu'on sait pas faire de la magie. Ça, c'est là, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, tout, je l'appelle le. Je t'encule et tu m'arrêtes. Ok. C'est cadeau. Alors, choisis une carte. Le 15 de cœur. C'est parti. Choisis une, tu veux, tu me dis stop. Stop. Vas-y. Vas-y, ok. Tu me la montres pas. Ok. Du coup, c'est bon, monsieur. Ah, c'est bon. Tu la remets où tu veux. Tu me dis que j'aurais pas dit ça. On pouvait aller jusqu'à Marne-la-Vallée comme ça. Vas-y. Ça a aucun putain de sens, les autres. Le magicien nul. Le magicien danse, mais genre c'est vraiment une danse. Attends, on va le refaire, ça va pas marcher. Ouais. Ah, voilà. Et attention, tu t'endors. À partir de maintenant, quand tu te réveilles, il reste des points. Moi, ce que je kiffe, c'est ça là. Tu es une poule. C'est les mecs qui sont. 1, 2, 3, 4. Ah, je kiffe les mecs. Ah, c'est une poule qui est gauche. Ah, c'est le moyen. Hein. Les mecs comme ça qui t'hypnosent, mais je te jure, ils font le compte 1, 2, 3. Mais attends, attends, les mecs qui te croient. Non. Ils t'hypnotisent. Merci. Ils t'hypnosent. Ils font 1, 2, 3, mais à 3, ils te brisent les cervicales, genre du style. À 3, vous allez vous endormir. 1, 2, 3. C'est pour ça qu'il s'endort, en fait. Il a vraiment brisé. C'est parce qu'il est... C'est juste qu'il est mort, le mec. Il est casse de couvre. On est au CHU de Paris, on arrive. À ne pas reproduire chez lui. Ouais, c'est risqué. C'est un travail de professionnel. C'est mélangé. C'est mélangé. Ok. Donc je demande pas couru, par contre. Non. Tu peux me dire quelle carte t'avais? Ah ouais, par contre, j'ai été malin, je sais que j'ai une crâne à couvrir, on part d'un pays où c'est froid, je ferai un petit bonnet. Hop là, hop là. Ah, ça va mieux, ouais. Ah, ça réchauffe les 10 secondes. Ah, tout de suite là, la boîte à pensée elle est au chaud. Hein. Dans quelle direction là? Rue des Innocents. Et on va faire quoi là-bas? Marcher. Marcher, marcher, marcher. Marcher, marcher, marcher.
Je dirais pas. Je dis pas où on va. Mais si on voulait marcher, c'était pas mieux Rungis? Si, c'est moi, c'est... Oh, hey, oh, t'as dû marcher, Rungis? Salut, c'est très lourd. Tu viens la paille, toi, si. Salut, très lourd, moi, c'est lui. Salut. Moi, c'est Jimmy. Et Jimmy? Non. Oh là, je suis parti. Oh, Marie du cul, c'est le run. C'est la scène. Ça gratte la tête, bordel, il fait chaud, bordel. Moi, on m'avait dit à Paris, il pleut. Là, il pleut que dalle. Je me trimballe un enfant, en plus, bordel. Là, là, on vient de rencontrer 50. Ouais. 50 dinars. Très heureux d'être là, on va au showcase de Jay-Z. Jay-Z, Mariah Carey, Anna Montana et. Depuis quand Jay-Z faisait showcase? Mais moi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, il m'a dit vas-y, let's go. En tout cas, très belle ville, Bordeaux. J'aime beaucoup. Il y a des magasins qui s'appellent 20 février. C'est ouvert qu'un jour par an. Non, c'est pas ouvert le 20 février, c'est tout. C'est fermé le 20. Là, on revient de chez Tiller. Très agréable. Des personnes vraiment très gentilles. Big up à Alexandre Olivier, ouais. May et Jeff. Merci pour l'accueil. On vous kiffe déjà beaucoup. Et Kenny Alexandre Lavenne. Vous nous avez accueillis avec beaucoup d'émoi et de. Et des toits. T'as senti le rire? Ça, c'est le rire, mais en même temps, il pleure en même temps de la balle. C'est tellement de la merde que j'ai envie d'y aller. Moi, je suis là 24 ans, galérien, redoublage de master, avec des dettes partout. Je dois 20 000 euros à 26 autoroutes. Parce que j'ai grillé une barrière. Je tiens à préciser dans la vidéo que si on parle pas beaucoup, c'est parce qu'on est en crise d'hypoglycémie. Oui. Moi, je suis en crise de joie et de crise, là. Je suis en crise de la quarantaine. Là, je pourrais manger un flot. C'est-à-dire un gros buffet à volonté chinois. C'est l'équivalent à peu près. Tiller X, bête de bouffe, les amis. Bon, les frères, on revient du rendez-vous avec chez Tiller. Et comment vous expliquer qu'on est très heureux parce que ça y est, c'est officiel, bête de bouffe X Tiller. On est trop contents, c'est incroyable. Et on va même peut-être pouvoir faire des poufs à l'équipe. Écoutez le son de la porte, s'il vous plaît. On dirait le mec dans Shining. Un, ok, ok. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'est n'importe quoi, mec. Là, je vais carrément aller prendre une douche parce que j'ai carrément transpiré, parce que j'ai carrément porté un sac qui faisait 50 000 kilos. Du coup, ben, je pue. Je sens la marmotte grillée lors de ma mitzvah. J'avais pas d'autres exemples, je suis désolé. Ouvert d'un repas de famille, enfin bref, si vous voulez une paella à la mouette. Non. Une paella. À la mouette. À la mouette. Ouais. C'est-à-dire l'odeur. Tu vois l'odeur? Ouais. Ouais. Ah, tu parles de ton odeur. Ouais. Donc je vais vous laisser. Ouais. J'ai bien mangé en plus, regardez. Tout, non? Waouh. Incroyable, fais-nous voir. Oh! African Qualitan. Et ça aussi. Allez, sur ce, bonne nuit. Embrassez-vous et buvez bien et fumez bien, puisque le monde part déjà en couille, alors autant vous dire qu'il autant se mettre bien, quoi. Hein. T'as capté, chacun. Ah mec, t'es dans les fanfares, mon trombone, c'est bon. Alors, ça, refais-le. Viens, on reprend ça, frère. On le sample et on se fait le générique de Kaamelott avec. C'est quand tu fermes la porte, mais donc. Ah, j'ai mal au joues. Arrête, j'ai plus de poumons, moi. Arrête, je suis en train de crever, mec. C'est pas facile de vivre avec des gens comme lui. Attends, mais moi, il y a un truc que j'aimerais que tu répètes. Quoi? T'as dit quoi? C'était quoi le projet pour demain soir, là? Non, frère, qui? Ça carré, ouais.
mademoiselle, t'as plus de 100 000 abonnés ou quoi? Ça peut s'arranger, tu sais. Ah, je connais du monde dans le milieu maintenant. Ah, vas-y, on se met en contact, toi et moi. Vas-y, je te fais descendre dans le sud et je te fais monter au 7ème ciel. Oh, celle-là, tu l'as pas vu venir, mon pote. Oh. Ah, je m'en bats les steaks. Allez, bonne nuit. J'allais me doucher, moi. Avec. Peau sensible 3000. Oui, exactement. Oh ouais, il y a un truc, il y a un sèche-cheveux. Super. Waouh. Ah ouais, il est heureux pour rien, quoi. J'arrive plus à comprendre. J'ai rien compris. Il rigole trop pendant qu'il parle. Ouais. Si tu fais ça, tu fais... Ah ouais, En chantier, je m'appelle Teuse. Pourquoi tu fais ça? Le masque, parce que c'est de la prévention avant tout. Le masque, c'est sur le nez. Non, t'as pas mis le bon masque. Faut que t'ailles chercher le bon masque maintenant. Ah oui, bah oh là, oui. Oh là. Pardon. Excusez-nous, on refait la séquence. Oh. Ah tiens, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais faire la prévention, regardez. Monsieur aveugle et tout. Super chill. Ah oui, c'est moi. T'imagines le mec qui propose l'idée claquée. Alors moi, tu vois, j'ai un concept, là, j'ai un vrai concept. Venez, on fait super tiré. J'ai une idée. Et toi, je suis pas sûr que tu vas venir demain, tu vas proposer des idées. Non, je vais proposer des idées incroyables. Je vais rencontrer des gens, mon père, que j'ai pas vu depuis maintenant. Papa, je recherche actuellement des partenariats pour modifier ma Golf 3. J'ai trois vitres à refaire, s'il y en a qui veulent me parler. Par exemple, les produits laitiers, si vous voulez me sponsoriser, pour que je trouve un... Une courroie de distribution. Ouais, voilà, ouais, de ouf. Ouais. Ça, là, appelez-moi. Je dois aller me doucher là. Attendez, on est en immersion avec Hughes. Suivez-le dans sa vie, la vraie. Venez, alors. Peau sensible 3000. Ouais. J'ai pas d'originalité, je ressens les blagues des anciennes vidéos. Comment on allume ça? Là. Oh. Est-ce que c'est pas le début de la vie de star ou un truc comme ça? Ouais. Wow. Tu peux sortir, s'il te plaît. Ouais, je vais prendre ma douche. Bon, à plus. Attention! C'est cadeau! Je suis en POV. Le mec vit sa vie en POV de nul. Attention, en POV. Oh mon dieu. La rigidité. Est-ce que tu penses qu'il y en a un dans le salon qui dort et sont deux? Moi je pense qu'il y en a forcément un qui dort. Tu vois, là on parlait sur qui? Moi je parlais sur ton frère. Je parlais sur Babs. Ah ouais, je parlais sur ton frère. Il y a peut-être les deux. Pour le pari, moi je parie sur Babs. Toi tu paries sur. Ouais, je pense que je. Qu'est-ce qu'on parie? Une teinture de cheveux, une boucle d'oreille. Est-ce que tu fais là? Ah ouais, tu sais que j'avais trois boucles d'oreille avant. Ah ouais, d'accord, donc toi c'est bon, c'est déjà fait toi. Toi c'est pas fait? Non. On se perce l'oreille. Mais tu l'as déjà toi? Non, oui, non, mais non, attends, c'est un truc refermé, hein, ça fait mal. Ah ouais? Ouais, non, okay. C'est enfermé. On se perce l'oreille? On se perce l'oreille. Ah, c'est bon? Ça coûte pas cher hein, de se faire percer l'oreille. Non, ça coûte 10 euros, je l'ai vu tout à l'heure dans la rue. J'ai vu percer l'oreille. Donc c'est réfléchi déjà. On peut se percer sur Paris. Si c'est les deux. C'est les deux? On annule. Oui, on annule. J'allais, tu dors. C'est ouf. Ah non. On est les deux. Non mais non. On est bébés. Ça m'éclate des fois, on achète pas, mais c'est qui arrive. Il se briser le dos ce soir. Hé les gars, les gars. J'ai senti les burnasses de mon ami Babs dans le dos en train de s'écraser sur ma lombaire gauche. Est-ce que vous connaissez les types qui n'arrivent pas à trouver mieux? Quelque chose qu'ils peuvent faire chez eux? On est à Paris, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pétanque, parce qu'on est à la maison. C'est incroyable, tu te respires, tu te respires. Oh, regarde-moi ça. Ça, c'est Yohan Poli qui joue à la tête. Je vais dégoter la moustache, pardon. On a refait le plug. T'as touché? Là, touché. Non,
monsieur le compétiteur, on peut vous interroger là sur ce match? Bien sûr, bien comment sûr, vous le présentez un petit peu cette compétition? Compliqué, j'ai un adversaire plus que difficile. D'accord. Et là, vous menez ou pas le jeu? On ne fait pas de points. Ah d'accord, ouais, vous. Mais je pense c'est tout que vous points, je ne mènerai pas. Décalez-vous, monsieur, il y a votre ventre qui gêne, excusez-moi. Oh, tu me souffles dans le cou, c'est gênant. Pas assez fort. C'est n'importe quoi, ça y est. C'est la statue de la pauvreté. J'en ai marre. Là, je suis dans mon élément. Pourquoi? Non, il y a une photo entre la tienne et quoi. Là, il y a un truc à faire. Bon, les amis, ça part sur une fin de journée et on se retrouve demain avec la fine équipe. Bisous. Mais gros, elle est folle. C'est drôle, c'est pas vrai. Bordelot. Donne ton sachet. Fais chauffer. Bonne nuit. Bonne nuit. Toi, t'as déjà fait ta nuit, toi. C'est vrai. Lui, il a pris l'avance.